Lors du XIXe siècle, cet établissement a été le principal moteur du développement économique du village de Guitéhéra. Dans ses bons temps, le hameau comptait deux hôtels et trois restaurants, accueillant même jusqu'à 1 000 curistes annuels. Jamais restauré depuis 1960, ce bâtiment a cessé de fonctionner en 1991. Un projet familial et historique privé qui souhaite être relancé coûte que coûte dans un proche avenir. Développons depuis 2008 un projet de réouverture et réhabilitation de l'établissement thermal des Bains de Guitéhéra. Donc cet établissement en fait a été bâti en 1870 par la famille Lanfranc et nous sommes les descendants directs des trois frères Lanfranc qui ont construit cet établissement. Cet établissement a très bien fonctionné jusqu'en 1989, mais en raison de sa vétusté, il a dû être fermé et actuellement nous avons entrepris un projet de réouverture de cet établissement et de réouverture de la baignade. D'accord. Donc il s'agit d'un projet en fait qui est très identitaire puisque c'est un projet développé par les gens qui habitent à Guitéhéra et qui sont déjà copropriétaires de cet établissement thermal. C'est un projet qui veut naturellement participer au développement économique de la commune, mais aussi du Haut-Aravaux et de l'ensemble maintenant de la communauté de communes, compte tenu du fait qu'il y a de nouvelles dispositions territoriales. Et ce projet rentre aussi dans une volonté de cohésion territoriale, de façon à faire bénéficier l'ensemble, je dirais, des communes qui sont autour de nous du développement économique qu'il pourrait induire. Voilà. Donc c'est un projet qui se veut original et tellement original qu'il sera unique. C'est-à-dire que le concept est celui d'une baignade en eau brute non traitée. Alors, je ne peux pas rentrer dans des détails parce que naturellement, c'est des détails architecturaux et techniques qui relèvent d'ingénierie hydraulique, mais c'est toute l'originalité de ce projet qui respectera naturellement strictement les règles d'hygiène imposées par l'ARS et imposées par la législation en matière de baignade. Présente depuis le XVIIe siècle, la source thermale proche du Tarao dispose de l'un des débits les plus importants de Corse. La température de l'eau dans le bassin de captage est de 45 degrés. En attendant de voir ce projet aboutir, les vacanciers se divertissent dans un petit bassin qui se trouve à quelques mètres de l'établissement. Certains d'entre eux voient d'un bon œil la réalisation de ce projet d'envergure. Oui, je pense qu'il y a un vrai potentiel avec cette source et c'est dommage de ne pas le mettre à profit. Je pense que quelques travaux s'imposent et ça pourrait rendre le lieu vraiment très touristique et très appréciable pour les visiteurs et aussi pour les locaux. Avant la réalisation définitive du projet, une étape de taille reste à franchir. Eh bien, le dernier obstacle, je dirais, que nous avons à franchir, si on peut dire cela, c'est le renouvellement du bail d'utilisation de l'eau. En effet, depuis que les établissements thermaux ont été utilisés au Bain de Guitéhéra, il y a toujours eu un bail entre la commune qui est propriétaire de l'eau et les gestionnaires de l'établissement. La commune par elle-même n'a jamais géré l'eau, mais elle donnait une concession et ce que nous attendons, c'est le renouvellement du bail de façon à pouvoir utiliser l'eau et avancer un peu plus loin maintenant dans la réalisation du projet, puisqu'à partir du moment où nous aurons le bail, nous pourrons présenter le projet devant le CODERST, c'est-à-dire que nous pourrons demander l'autorisation de commercialiser l'eau. Ça passe par la préfecture et un comité qui s'appelle le CODERST. Et une fois que nous avons l'accord du CODERST, donc le bail puis le CODERST, à ce moment-là, on peut rentrer dans la réalisation carrément du projet. Je suis extrêmement optimiste parce que lorsque nous avons commencé à monter ce projet, il n'y avait que des obstacles. Nous avons abattu petit à petit tous les obstacles. Premièrement, nous avons fait des titres de propriété et donc je rappelle que nous avons réalisé la plus grosse prescription trentenaire de Corse, 58 propriétaires titrés. Nous avons créé une société immobilière sur le bâtiment et sur les terrains. Nous avons créé une société commerciale, la SAS Ibagne, pour
mener le projet, le réaliser et ensuite gérer l'établissement thermal. Donc jusqu'à maintenant, nous avons l'étude de faisabilité qui a prouvé que le projet était valide et viable, réalisable et rentable. Donc oui, bien sûr, on est optimiste parce que jusqu'à maintenant, nous avons petit à petit passé tous les obstacles. Il n'y a pas de raison foncière que ce projet, qui est un projet fait en Corse, par les Corses, pour les Corses, qui est un projet qui s'inscrit dans un patrimoine historique, sur le lieu de la baignade traditionnelle, en gardant ce patrimoine foncier et immobilier qui est unique en Corse. Un bâtiment comme celui de l'établissement thermal des Bains de Buterre n'existe qu'en Corse. Il n'est pas reproductible ailleurs. En gardant l'intégrité de la valeur de l'eau, il n'y a aucune raison, franchement aucune raison, que ce projet n'aboutisse pas. Reste désormais à trouver un terrain d'entente avec les pouvoirs publics afin que le projet Ibagne retrouve son lustre d'antan dans les semaines à venir.